cellule ou derrière la palissade. On est seul, en effet. Contre tous les autres. Seul et séparé par un mur de cet immense grouillement d'hommes dont on a été brutalement retranché, de cette humanité remuante et libre qui semble vous avoir abandonné, vit sans vous, s'organise sans vous et agit sans vous, prenant tout entière figure d'adversaire. Son poids formidable pèse sur le toit de la prison comme un couvercle qu'elle ne laissera point soulever. Faudra donc, pour résister, composer un monde à soi seul, retrouver en soi et cultiver toutes les sensations que vous procurez naguère les autres. Ces autres, égoïstes et lointains, c'est à vous maintenant de les abandonner, de leur prouver que vous pouvez vous passer d'eux, et que vous les avez condamnés plus sévèrement qu'ils ne vous ont frappés.